Le pavillon de l'artillerie de l'Ouest est situé sur le versant entre la porte Ouassé-aux-Mains et le poste de commandement Ouest. Parce que le pavillon de l'artillerie occidentale a été construit sur une pente, il a été rendu plus petit que le pavillon d'artillerie nord-ouest et nord-est installé sur terrain plat. Le nombre de tirs d'artillerie et de tirs a également été réduit. Le pavillon de l'artillerie occidentale a une structure de 3 étages. Les 2 étages inférieurs étant dotés de trous pour tirer de l'artillerie ou des canons. Il y a un pavillon à l'étage supérieur. Le pavillon supérieur a été restauré, mais la partie inférieure, faite de briques, est telle qu'elle était lors de sa première construction. Un pavillon d'artillerie, appelé polu en coréen, est une structure en saillie vers l'extérieur surmontée d'un pavillon, à l'intérieur duquel l'artillerie est installée pour être utilisée pour attaquer l'ennemi avec des canons. La tour de canon dispose d'un type d'installation avancée pour empêcher les ennemis de s'approcher du mur du château. Une partie du mur du château fait saillie vers l'extérieur sous une forme convexe. Les bâtiments étaient disposés de la même manière que les bastions de Suwon-Hwasun. L'intérieur du troisième étage a été vidé comme Gongsimdong de Suwon-Hwasun et le canon était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une installation conçue pour attaquer des ennemis étrangers. Les 3 à 6 étages inférieurs étaient en pierre de granit et la partie supérieure était en brique. Un bâtiment en bois a été construit à l'étage supérieur. Il y a 5 pavillons d'artillerie dans la forteresse chantée de Suwon-Hwa. Habituellement, l'échelle était augmentée sur les terrains plats et réduite sur les pentes. Les pavillons d'artillerie de Suwon-Hwasun ont été construits avec différentes tailles et hauteurs pour chaque étage, en fonction du terrain et des conditions environnantes. Les pavillons d'artillerie de Suwon-Hwasun sont construits en briques, servant de lieu pour attaquer des personnes avec de l'artillerie ou des canons.